بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Aujourd'hui, comme tous les dimanches, c'est l'explication des 42 hadiths de l'imam Nawawi. Aujourd'hui, nous allons procéder à l'explication du hadith 33 et 34 par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith 33. An ibn Abbas radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal: law yu'ta an-nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwal qawmin wa dima'ahum lakin al-bayyinata 'ala al-mudda'i واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي في السنن وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. Je traduis. Ibn Abbas, qu'Allah l'agré, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'on accordait aux gens ce qu'ils demandent, un homme demanderait les biens et le sang d'un groupe de gens. Mais la preuve incombe au plaignant et le serment à celui qui le nie. Hadith rapporté par le Bayhaqi, et une partie de ce hadith est rapportée par Al-Bukhari wa Muslim. Ce hadith est très important. Il s'agit d'une règle très importante qui concerne les jugements. C'est un fondement dans le jugement, c'est-à-dire al-qada. C'est-à-dire, ça c'est ce qui concerne la justice. C'est un fondement dans le domaine de la justice. L'épreuve et l'arbitrage dans les conflits. Là, le professeur dit, si on donne satisfaction aux gens sur la base de leurs revendications, c'est-à-dire que si les jugements et les règlements des conflits se basaient uniquement sur la revendication des gens, c'est-à-dire sans preuve, alors les gens viendraient réclamer le bien et le sang d'autrui, par exemple juste à cause d'un différend qu'il y a entre eux ou d'une hostilité entre eux. Mais, comme il a dit le Prophète, la preuve ici, elle incombe au plaignant, celui qui accuse. L'accusateur doit ramener ses preuves et l'accusé, donc c'est celui qui nie l'accusation, doit faire serment que l'accusateur dit faux. Ce hadith qui a été rapporté donc par le Bayhaqi, il a été jugé bon par Ibn Hajar dans Fath al-Bari, qui est l'explication de Sahih Al-Bukhari, et qui a été jugé bon également par l'imam An-Nawawi, c'est-à-dire l'auteur en l'occurrence, dans son livre l'explication de Sahih Muslim, bi isnadin hasan ou sahih, c'est-à-dire avec une chaîne de transmission qui est authentique voire bonne. Et l'imam Al-Albani, il l'a authentifié. Également, un autre hadith, pour corroborer celui-là, il a été rapporté par l'imam At-Tirmidhi an Amr ibn Shu'ayb, an Abi an Jaddihi. C'est-à-dire, d'après Amr ibn Shu'ayb, d'après son père, d'après son grand-père, le professeur sallam a dit dans une khutba, un prêche du vendredi, al-bayyinatu ala al-mudda'i. La preuve incombe à celui qui la réclame, c'est-à-dire à l'accusateur, c'est-à-dire le serment incombe à celui qui le nie, qui le refute. Donc ça, c'est un autre hadith qui a été rapporté par At-Tirmidhi, du rapporteur du hadith qui est Amr ibn Shu'ayb. Et l'imam An-Nawawi ici dit, une partie de ce hadith est dans les deux recueils authentiques, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim.
Également, un autre hadith qui vient corroborer toujours celui-là, car c'est un hadith capital dans les jugements. Donc, dans le Bukhari, d'après Abdullah ibn Abbas, le prophète, il a dit, « لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. » ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire que si on donnait aux gens ce qui viendrait réclamer, ce qu'ils réclament, alors une partie des biens des gens et leur sang partirait. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire eux, ils viendraient réclamer les biens et le sang des gens qui sont accusés. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, al-yaminu ala al-mudda'a alayhi, c'est-à-dire le serment incombe à celui qui nie et qui est accusé. Al-qada, c'est-à-dire le jugement, c'est-à-dire dans un tribunal, bil-bayyina wal-yamin, c'est-à-dire il se fait sur la base de l'accusation. L'accusation doit apporter ses preuves et celui qui est accusé, il doit faire serment comme quoi ceci est faux. Et ça, c'est la base même de la justice dans un tribunal musulman. Ensuite, Ja'a fi Sahihayn, également a été rapporté dans les deux recueils authentiques, c'est-à-dire le Bukhari ou le Muslim, an al-Ash'ath ibn Qais. Donc, la rapporteur du hadith, c'est qui ? Al-Ash'ath ibn Qais. قال, il y avait entre moi et un homme un conflit. Alors nous sommes rentrés en conflit. Je suis alors allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec cet homme-là pour parler de mon conflit avec cet homme au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Il a dit « Shahidak aw yaminihi » c'est-à-dire « tes témoins ou son serment ». Ibn al-Mundhir, qui est un grand savant, qu'est-ce qu'il dit ? Les gens de science sont unanimes à ce que, sur quoi le serment, il est pour celui dont on accuse, l'accusé. Le serment, oui, sur l'accusé est la preuve pour l'accusant, celui qui vient donc accuser et réclamer quelque chose. Et ce hadith-là, c'est un des fondements, parmi les fondements du jugement en islam, donc dans un tribunal. Ibn Dariq al-Eid, qui est un grand savant, qu'est-ce qu'il dit ? C'est la base même des jugements. Il dit que ce hadith constitue la base des jugements. L'imam al-Nawawi, qu'est-ce qu'il dit ? Ce hadith-là, c'est une règle générale des jugements légiférés donc entre les gens. Là où il y a pas de nez, c'est-à-dire, si on devait donner aux gens ce qu'ils réclament, qui est-ce qui va donner ici ? C'est le juge ou le gouverneur. Ce n'est pas n'importe qui va donner aux gens leur dû. C'est uniquement le gouverneur ou le juge. Da'wa ici, au niveau linguistique, da'ashay idha talabahu. C'est-à-dire, c'est le fait de demander une chose, réclamer une chose. « Wa minhu » donc un mot qui est dérivé à « du'a ». « Du'a », l'invocation que nous faisons tous les jours, c'est quoi « du'a » C'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc « du'a » bi ma'na talab. C'est le fait de demander. On invoque Allah, alors on demande à Allah. « Et da'a idha talab ». C'est-à-dire, le fait de demander, réclamer, c'est demander quelque chose à quelqu'un. « Et da'wa ». Vous avez Ad-du'a et vous avez Ad-da'wa qui a plusieurs sens. Da'wa ici, au niveau légiféré, les savants disent c'est le fait qu'un homme demande son droit auprès de quelqu'un d'autre dans une assise, dans un tribunal. Voilà c'est quoi da'wa dans ce sens-là. Et il y a aussi da'wa qui veut dire l'appel à la religion, le prêche. Et la plupart donc, des demandes des gens
lorsqu'il y a un conflit entre eux se fait au niveau du sang et au niveau de l'argent. Quelle en est la preuve ? La preuve en est ce hadith. Il dit, un homme demanderait les biens et le sang d'un groupe des gens. François, il a dit, si les gens devaient répondre à toutes leurs demandes, alors un homme demanderait quoi ? Le sang et les biens. Cela prouve que la plupart des conflits entre les gens, il est soit dans le sang, soit dans les biens. Et surtout, ce qui concerne l'argent. Les biens, ça peut être les terres, ça peut être la maison, les transactions commerciales, etc. Ça englobe beaucoup de choses, c'est un terme général. Al-bayyina ici, c'est quoi? C'est la preuve. Ici, en arabe, al-bayyina, min bana shay'in idha dhahara, c'est-à-dire lorsqu'il est, devient apparent. Wal-bayyina, ma yudhiru al-haq, c'est le fait de faire émerger et apparaître la vérité. L'épreuve ici, c'est quoi la plus grande des preuves? Donc la personne doit ramener des preuves, c'est-à-dire l'accusateur. Et l'une des plus importantes preuves, c'est quoi? Al-iqrar. C'est-à-dire l'accusé s'il reconnaît ce dont on l'accuse. Et c'est la plus grande des preuves. On t'accuse d'avoir volé, tu reconnais ce vol. L'affaire est jugée et terminée. On t'accuse d'avoir tué quelqu'un, tu avoues le meurtre. L'affaire est jugée et cassée. Car c'est la plus grande des preuves, c'est le fait de reconnaître ce dont on t'accuse. Et min aqwal biyinat, c'est la plus grande des preuves. Ensuite, cette preuve-là, elle est valable dans la loi du talion, dans les châtiments, les peines, et même dans ce qui concerne les différends au niveau financier. C'est-à-dire, cette preuve, elle est acceptée pour tous les types de conflits, et surtout pour les conflits au niveau du sang, comme la loi du talion, les peines applicables, etc. Deuxième type de preuve qui est juste en dessous, shahadatu shuhud, c'est-à-dire le témoignage des témoins. Et ça, c'est une preuve que disent les savants, elle est très forte, elle a du poids. Et on peut l'utiliser dans tout conflit, que ce soit au niveau du sang, pour la loi du talion, les peines et châtiments, au niveau les conflits d'ordre matériel, financier et autres. Elle est appliquée partout. Cette preuve-là, c'est le témoignage de plusieurs témoins. Et elle est de différents degrés. Le plus haut degré, c'est le fait qu'il y ait deux hommes qui témoignent au plus. Tel que par exemple, vous savez, les cas de fornication, qu'il y ait quatre personnes qui viennent témoigner que cette personne-là a forniqué. Les quatre doivent apporter le même témoignage. Donc ça, c'est la plus grande des preuves après la reconnaissance et l'iqrar. Vous vous rappelez, lorsque nous avons expliqué le hadith d'Ibn Omar concernant celui qui avoue avoir forniqué, comme Ma'iz ou Al-Ghamidiyya. Ils ont témoigné. Ils ont reconnu à plusieurs reprises. Alors, c'est la meilleure des preuves. Ensuite, les témoins. Deuxième degré de témoignage, c'est qu'il y ait un homme et deux femmes. Au niveau de la preuve, elle constitue une preuve moindre, c'est-à-dire dans la justice, au niveau du tribunal musulman. Ensuite, troisième type de témoignage, c'est le témoignage d'une seule personne. Et ça, les savants disent que c'est un témoignage qui est faible. On se doit de le fortifier avec un serment. Car un seul témoignage ne suffit pas. Et ce témoignage-là d'une seule personne, on ne juge pas avec dans les peines applicables et dans la loi du talion. Uniquement dans les conflits d'ordre matériel ou financier. Tout ce qui concerne le sang, on ne prend pas le témoignage d'une seule personne car il est faible, il n'est pas assez fort. Quatrième et le plus bas degré de témoignage, c'est le témoignage des femmes. Et là, le témoignage des femmes va être important pour le juge pour tout ce qui concerne
les questions relatives aux femmes dont les hommes n'ont pas connaissance. Exemple, l'allaitement. Une femme vient au juge et dit « Moi, j'ai allaité un tel ». L'homme ne peut pas le prouver. Il ne peut pas témoigner de cela. Seule la femme connaît cela, donc elle peut venir témoigner qu'elle a allaité cette personne-là. Donc, par rapport à une autre personne, cette personne-là lui devient interdite. Par exemple, cette femme a une fille et elle a allaité un garçon et qui n'est pas son fils. Donc, ce garçon-là ne pourra pas épouser sa fille plus tard. Et si lui veut se marier avec elle plus tard, elle peut venir témoigner devant le juge et dire que je l'ai allaité quand elle était petite, donc il ne peut pas épouser sa fille. Et tout ce qui va concerner, par exemple, des choses qui concernent uniquement les femmes également, elle lui l'aide. Le fait d'avoir des enfants, d'avoir enfanté. Le fait, par exemple, qu'on vienne demander en mariage une femme et cette femme-là, par exemple, a un défaut qui est caché, qu'aucun homme ne saurait voir, qu'une femme l'a déjà vu avec ce défaut-là et elle peut témoigner que, par exemple, cette femme a un tel défaut, tel handicap, donc, et elle ne le dit pas, par exemple, elle peut témoigner parce que elle connaît ce... Ça, c'est juste des exemples que je vous dis concernant le témoignage d'une femme sur les choses qui les concernent. Troisième type de preuve, c'est ce qu'on appelle le qasima. Par exemple, il y a un meurtre. Nous n'avons pas de preuve, il n'y a pas de mobile. Mais par contre, c'est ce qu'on appelle un indice. Il y a un indice. On trouve à côté du corps un homme en train de tenir un couteau. Mais nous n'avons pas la preuve, personne ne l'a vu. Nous n'avons pas la preuve que c'est lui qui a tué. Donc, la Kabila, les responsables, les proches de ce mort, viennent demander le sang, le prix du sang, ce qu'on appelle le diya. Alors là, les proches de cette personne qui est accusée, 50 personnes parmi eux doivent jurer, prêter serment qu'il n'a pas commis ce crime. Une autre type de preuve qui est également prise en compte par les savants, c'est ce qu'on appelle shahadatul ada, le témoignage des coutumes et des pratiques. Par exemple, il y a, ça comme je l'ai entendu dans un cours d'un cheikh, il a donné un exemple, il a dit, il y a un agriculteur qui vient accuser un homme de lui avoir volé, par exemple, ses outils dont il a besoin, par exemple, pour travailler sa terre ou autre. Et on sait que la personne qui est accusée n'a rien à voir avec l'agriculture. Donc ça, et il y a quelqu'un qui vient témoigner, ça, c'est un témoignage des coutumes. On sait que c'est la personne, donc là, lésée, l'agriculteur, qui aura forcément raison, parce que l'outil, c'est un indice comme quoi il lui appartient. Il n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Voilà concernant donc les serments. Donc il y a les témoignages, il y a la reconnaissance, donc pour résumer, on reconnaît avoir volé telle chose ou avoir fait tel crime, etc. Reconnaître les témoins, donc l'aveu, ça c'est le plus grand des preuves. Et les indices sont également une preuve. Certains savants évoquent aussi la compréhension du juge après avoir interrogé et écouté les deux parties en conflit et disent que ceci constitue également une preuve. Al-bayyina en arabe, donc, qui est la preuve, et au-dessus de al-bayyina, c'est quoi? Il y en a, ils disent c'est al-burhan, c'est-à-dire l'argument, c'est un truc qui est très fort. Il est au-dessus de la preuve. Et au-dessus de al-burhan, l'argument, il y a ce qu'on appelle al-aya. Aya, c'est les signes. Les savants, ils emploient une formule qui est proche. Dans le hadith que je vous ai cité, il y a un verset du Coran, pour venir corroborer ce hadith, qui dit
Sourate 11, verset 53, tu n'es pas venu à nous avec une preuve et nous ne sommes pas disposés à abandonner une divinité sur ta parole. Donc là, ils ont parlé de preuve. Donc ça, en disant ça au professeur Salem. Les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que le politisme, ne cesseront de mécroire jusqu'à ce que tu leur viennes, que leur vienne la preuve évidente. Donc verset 1 et 2, sourate 98. Dans ces deux versets, la preuve, une fois, elle est symbolisée par le messager. C'est-à-dire, c'est le messager, c'est lui la preuve, sa venue est une preuve. Et la deuxième, c'est la preuve qui est demandée au messager. Donc, la preuve peut prendre différents aspects. Une fois, ça peut être le messager. Une fois, ça peut être le livre, le Coran, c'est une preuve. Et le témoin, ça peut être une preuve également. D'ailleurs, il y a plusieurs formules et expressions qui sont employées chez les savants pour décrire l'accusateur et l'accusé. Soit on dit le plaignant, l'accusé, l'accusateur, l'accusé, celui qui réclame une chose et celui qui nie, etc. Donc il y a plusieurs synonymes concernant ces deux mots-là. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit à ce propos, dans un hadith, « Vous portez vos litiges devant moi, mais il se peut que l'un d'entre vous expose mieux son argument qu'un autre. Pourquoi » Pourquoi? Parce qu'il a de l'éloquence dans sa façon d'exposer les choses. Alors, qu'est-ce qu'il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam ? « Je juge alors en sa faveur, selon ce que j'ai entendu de lui. » Celui à qui j'attribue une part de droit de son frère, qu'il ne la prenne pas, car je n'aurais fait que lui octroyer une part de l'enfer. Exemple. Ce hadith a été rapporté par le Bukhari ou Muslim d'après Umm Salama. Quelqu'un qui est très éloquent, un beau parleur comme on dit dans notre langage familier, il vient exposer son affaire, il réclame un droit à un accusé. Il est plus éloquent et il sait qu'au fond de lui que c'est un menteur. Il réclame une part qui n'est pas due. Et c'est comme cela est arrivé au professeur Sallam. Donc le professeur Sallam, en fonction des arguments qu'il va apporter, l'accusé, s'il ne sait pas se défendre, il ne sait pas apporter des bons arguments, l'accusateur va être éloquent et le professeur Sallam peut lui donner son haq, son droit, en fonction de ce qu'il a entendu de part et d'autre de l'accusateur et de l'accusé. Alors s'il prend le droit de l'accusé, alors que ce n'est pas son droit, il aura pris une part de l'enfer. Donc, bien être vigilant à ça, mes frères. Donc, voilà concernant le hadith 33. Nous allons passer au hadith 34, incha'Allah. An Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم من منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. أبو سعيد الخدري قال لغري أدي J'ai entendu le messager d'Allah dire celui d'entre vous qui voit une chose de blâmable qu'il le change ou qu'il la change par sa main, s'il en est incapable, alors par sa langue. S'il en est incapable, alors par son cœur. Et c'est le niveau le plus faible de la foi. Hadith rapporté par Muslim. Ce hadith a une portée très grande et très importante. Car ici, il expose l'obligation d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Et ça, c'est un des fondements parmi les fondements de la religion. Le convenable, c'est quoi? C'est ce que Allah et son messager ont ordonné. Et le blâmable, c'est ce que Allah et son messager ont interdit. Que ce soit des paroles, des actes ou des comportements. On appelle ça al-munkar. La preuve en est également dans le verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Ali Imran, verset 104,
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussissent. Ali Imran, verset 104. Allah également dit à ce propos, dans le même contexte, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Ali Imran, verset 110. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable et croyant Allah. Ali Imran, verset 110. D'ailleurs, subhanallah, lorsque je suis en train de vous réciter ce verset du Coran, ça me fait beaucoup parler à une secte parmi les sectes égarées qu'on appelle plus communément les tablighs, qui utilisent beaucoup ce verset du Coran, qui d'ailleurs ce sont des grands ignorants dans l'islam, et des gens égarés qui pratiquent le shirk, le polythéisme, comme ceci est avéré par de nombreux écrits de grands savants de l'islam qui les ont réfutés. Ils vont en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, ils pratiquent le polythéisme là-bas. Et ils viennent en France et ils interprètent les versets du Coran avec leur mauvaise compréhension de l'islam, comme les Khawarij d'ailleurs. À ce propos, Inch'Allah, très prochainement, nous allons préparer une conférence sur les Khawarij. Ils n'ont pas compris le sens de ces versets. Ils croient qu'eux, ils font partie de la meilleure communauté et ils ordonnent le bien. Ukhrijat linnas, vous êtes sortis. Alors ils disent, nous sortons fi sabilillah pendant 40 jours. Et ils n'ont pas compris malheureusement le sens de ce verset. Et c'est l'Ummah, c'est la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des Ummah, de toutes les communautés. Allah l'a fait sortir parmi les autres communautés pour ordonner le convenable et interdire le blâmable, parce que, nous allons en parler après, les fils de Bani Israël ne le faisaient pas. C'est pour ça qu'Allah les a châtiés. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a distingué cette communauté qui est la nôtre parce qu'elle ordonne le convenable et elle interdit le blâmable, contrairement aux gens du livre à qui on a ordonné d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, et ils ne le firent pas. Donc, ils ont péri et Allah subhanahu wa ta'ala les a maudits. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala concernant les enfants d'Israël ? لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا كَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ. Ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de Daoud et de Issa, le fils de Mariam, parce qu'ils désobéissaient et ils transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas les uns les autres ce qu'ils faisaient de blâmable. Surat Al-Ma'ida, la table servie, versets 78-79. Allah les a donc maudits en résultat de cela et les a sortis et repoussés de sa miséricorde. Mais ce ne sont pas tous les gens du livre, bien sûr, qu'ils abandonnèrent d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Certains d'entre eux uniquement. Dans ce hadith, qui est également bâti sur l'amour entre eux, les croyants, parce que c'est celui qui aime le bien pour ses frères, il vient ordonner le bien, le convenable, et réprimer ou interdire le blâmable. Man ra'a minkum munkaran, celui d'entre vous qui voit une chose qui est blâmable, détestable. Ici, man ra'a, comme ils disent les savants, il a deux sens. Soit voir, ru'ya, le sens de voir, et il a le sens de savoir. Soit la vision, soit le savoir. Mais ici, la définition du hadith, c'est la vision avec l'œil et non le savoir. Donc, il est employé au sens propre, vision. Et le sens figuré, c'est la science, avoir la connaissance.
une chose qui est blâmable. Comment savoir que cette chose, elle est blâmable pour venir là, la réfuter ou l'interdire? Il y a des conditions concernant le fait d'interdire le blâmable. Tout d'abord, il faut que le blâmable ait lieu. Tu le vois devant toi en train de se produire. Ensuite, tu sais que c'est une chose qui est réprimandée, que c'est un acte blâmable. Et celui qui le commet doit également savoir que c'est un acte blâmable. Pourquoi ? Nous allons parler à la fin du cours. Il y a des choses où il y a une divergence. Il se peut que pour la personne qui la commette, c'est une chose qui a été autorisée par certains savants. Et ce n'est pas un acte qui est blâmable. Toi, tu le vois comme une chose est blâmable, mais pas lui. Est-ce que tu peux le réprimander? Non. Nous allons en parler après. Troisième condition, il faut que ce blâmable, il y ait un consensus des savants dessus, qu'il n'y ait pas de divergence. Exemple, la fornication, le vol, le fait de boire de l'alcool. Des choses qui sont claires, sans équivoque, dans le Coran et la Sunna que tu peux réprimander sans problème. Également qu'il y a une preuve tangible, claire et apparente que c'est un acte blâmable et qu'il n'y ait rien qui vienne repousser cela ou contredire que cette chose est un acte blâmable. Exemple, tu ne peux pas venir blâmer une chose dans une mas'ala khilafiyya, dans un point où il y a une divergence entre les savants. Les questions où il y a une divergence, les savants disent « la inkara fiha », tu ne peux pas les réprimander. Est-ce que c'est toutes les questions où il y a une divergence ou cela mérite un éclaircissement? Là, les savants disent, parce qu'après nous allons parler du conseil, donc la recommandation du bien et réprimander le mal, est-ce qu'il est différent du conseil? Et nous allons revenir à cela juste après. Vous savez que nous avons déjà expliqué dans le passé le hadith Ad-Dinun Nasiha. Ad-Dinun Nasiha. La religion, c'est le conseil par trois fois. Nous avons dit, les compagnons de Sallam m'ont dit, oh, professeur Sallam, envers qui? Le messager d'Allah, envers Allah, envers son livre, envers son messager et la masse des gens. Voilà le conseil. Envers les savants et la masse des gens. Est-ce que le conseil est différent de la recommandation du bien et la réprobation du mal? Il y a une différence, comme disent les savants. Première différence, les savants, ils affirment qu'à la base, le conseil se prodigue discrètement. On ne prodigue pas un conseil en public, mais il se fait discrètement et en privé. Et il va prendre une forme générale. Ça, c'est le conseil an-nasiha. À l'opposé, la recommandation du bien et l'interdiction du blâmable se font à la base en public. Et parfois, elles peuvent être en privé, et nous allons voir ça à la fin, quand cela concerne le gouverneur. Celles-là, elles ne peuvent pas se faire en public. Lorsque le gouverneur a commis un acte qui n'est pas louable. Donc le conseil en privé, la recommandation du bien, réprobation du mal, en public, lorsque vous le voyez devant vous et que vous avez la certitude qu'il n'y a pas de divergence concernant ce point-là. Ça, c'est la première différence entre le conseil et la recommandation du bien, la réprobation du mal. Deuxième différence qu'apportent les savants, le conseil se fait après s'être informé de la question concernée. Donc, tu as entendu d'une chose, d'une question, et
qui concerne cette personne-là, d'un événement qui est passé, et tu vas venir la conseiller sur telle et telle chose en privé. Et le conseil, à la différence de la recommandation du bien, réprobation du mal, le conseil va surtout concerner la personne. Donc, on va conseiller la personne qui a, par exemple, commis une erreur. Donc, on va dissocier l'auteur de l'erreur. Donc, l'auteur de cet acte blâmable. Alors que la recommandation et l'interdiction sont avant tout liés à l'acte en soi, qui va se dérouler donc devant le croyant et qui devra le réprimander ou le réprouver en fonction de ses capacités, la main, la langue ou le cœur. Celui qui d'entre vous voit un acte ou une action blâmable. Donc là, la recommandation, c'est l'acte blâmable. Le prophète, il n'a pas dit que celui d'entre vous voit le blâmeur ou celui qui a commis un acte blâmable, que celui qui voit une action blâmable. Vous voyez la différence entre le conseil qui va concerner le fautif, l'auteur, et la recommandation, la réprobation qui va concerner l'acte blâmable. Si, et là, il y a des degrés, bien sûr, dans la réprobation du mal, si vous êtes une personne compétente, désignée par le gouvernement dans un pays musulman, tel que, par exemple, c'est le cas en Arabie Saoudite, il y a une hay'a, des gens qui sont désignés par le gouverneur pour réprimander le mal et ordonner le bien. Cela, lui, le gouverneur lui donne la capacité de le faire par la main. Parce qu'à la base, la réprimation du mal, c'est le gouverneur qui l'a fait, ou le juge, et non le commun des mortels comme nous. Là, le blâmable doit être réprouvé. Et l'auteur doit être conseillé. Comment il est conseillé? Sur la base de trois choses. On ne conseille pas n'importe comment en réprimandant le mal. Le mal doit être changé, mais l'auteur en question doit être conseillé. Tout d'abord, l'ilm, le savoir. C'est-à-dire, pour ordonner le bien, interdire le mal, tu dois remplir trois conditions. Première, c'est de savoir que ça, c'est un mal. Et ça, c'est un bien et tu dois l'ordonner. Deuxième chose, la douceur. Tu dois aller avec douceur pour ordonner le bien et interdire le mal. Tu dois utiliser la sagesse, chose que peu de gens utilisent dans ces circonstances-là. Souvent, les gens sont agressifs quand ils voient quelqu'un, un ignorant ou quelqu'un qui ne connaît pas le jugement de cet acte-là. Et toi, tu viens l'agresser. Et la réponse, la conséquence de ta recommandation, peut-être que ça va être l'inverse de l'effet escompté. Et nous donnerons des exemples. Troisième chose, la patience. Tu dois patienter après avoir ordonné le bien et interdit le mal. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Oh mon petit, ça c'est qui? C'est dans Sourate Luqman. C'est Luqman qui parle à son fils. Accomplis la prière, commande le convenable, interdit le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Sourate verset 31, sourate 31 verset 17. La patience ici, elle est essentielle. Et nous avons déjà vu plein de fois dans des différents versets du Coran, Allah est avec ceux qui patientent. Elle est essentielle dans, après avoir accompli cette mission, tu dois patienter. Le mal ne va pas se changer en un jour. Ça peut prendre plusieurs tentatives comme plusieurs semaines ou mois, etc. Beaucoup dans la lorsqu'il ordonne le bien et réprimande le mal, beaucoup vont le faire avec leur passion et non avec science, douceur et sagesse comme je viens d'énumérer. Et c'est les conditions qu'ont énumérées les savants concernant cela. Qu'il le change avec sa main. Donc ici, il ne faut pas tomber dans le piège en embellissant le blâmable pour éviter de le changer. Il faut donc le blâmable. Tu dois inviter la personne qui commet le blâmable à
réformer de la meilleure des manières, à se réformer, pardon, tout en empêchant de commettre le blâmable. Donc parfois, l'acte blâmable en lui-même et son auteur, il faut nuancer et différencier l'auteur de l'acte. Et je vais vous donner un exemple. Il y a parfois l'auteur, quand il va commettre le blâmable, des fois le blâmable, il est dissocié de l'auteur. Et des fois, il est associé à l'auteur. Je vous donne des exemples. Exemple, vous voyez quelqu'un avec un verre de vin posé sur la table. Ou quelqu'un qui va voler. Ici, le blâmable, il n'est pas associé à la personne. Donc ici, vous pouvez changer le blâmable avec la main. Mais le conseil avec douceur. Mon frère, l'alcool est interdit. Tu ne dois pas boire. Mon frère, tu vois que quelqu'un va voler, tu dois lui dire non, tu ne dois pas voler. Le vol est interdit en islam. Maintenant, tu vois le blâmable, mais qui est associé à l'auteur. Exemple, tu vois un homme porter une bague en or. Et tu sais que la bague en or est interdite. Ici, est-ce que tu vas changer le blâmable avec ta main en l'autant de... Non. Ici, les savants disent que le blâmable, ici, tu le changes avec ta langue et non avec ta main. Alors que dans le premier cas, tu prends le verre de vin, tu le jettes. Ou tu interdis à la personne de voler en t'y opposant donc avec ta main. Déjà, deux circonstances où déjà on va différencier le fait d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable en fonction que le blâmable il est associé à l'auteur ou il est dissocié, comme le fait par exemple de porter de la soie pour les hommes ou l'habit qui traîne par terre en dessous des chevilles pour les hommes ou le fait de porter de l'or. Donc ça, tu peux le changer, mais une fois avec la main ou sinon avec la langue. Je vous avais dit au début que le blâmable, il faut qu'il soit clair, évident pour les deux parties. Le blâmable peut prendre trois formes, comme le disent les savants. Première forme, celle où les savants sont unanimes pour affirmer que cet acte est blâmable. Zina, tout le monde est unanime à affirmer que la fornication, c'est blâmable. Que porter de l'or pour les hommes, c'est un acte blâmable. Boire du vin, c'est un acte blâmable. Les jeux de hasard, le vol, etc. Tout ça, ce sont des actes blâmables où il y a un consensus entre les savants et les textes sont clairs. Ces actes sont à réprimander et à réprouver sans aucun doute. Deuxième forme d'acte blâmable, celle où les savants vont diverger à propos du caractère blâmable de cet acte-là. Mais la divergence, elle est faible. Ces actes-là sont à réprimander quand l'avis prépondérant considère que l'acte est blâmable. Divergence entre les savants. Mais l'avis majoritaire dit que c'est un acte blâmable. L'avis minoritaire dit que non. Là, on prend l'avis majoritaire et on va réprimander l'acte blâmable. Exemple, comme il l'a rapporté Salah al-Shir dans son explication, d'Arba'in Nawiyah dit An-Nabiz. An-Nabiz, c'est quoi? C'est un type de boisson qui était utilisé au temps du Prophète sallam, de boissons sucrées qui sont obtenues en pressant des fruits et ou en les macérant dans l'eau. Par exemple, à l'époque du Prophète sallam, ils avaient des jarres ou des outres et ils posaient des raisins secs, souvent des dattes, des fruits et autres. Et on les laissait pendant 24 heures. Et donc, elles devaient se mélanger avec le sucre du fruit et ça donnait une boisson qu'on appelait un nabid. Et ceux-là sont considérés comme licites par l'ensemble des musulmans. Et d'ailleurs, Hadith Aisha, elle disait, nous préparions un nabid, cette boisson sucrée faite à partir des fruits, pour le messager d'Allah dans une outre dont on enfermait la partie supérieure. Elle avait un trou au-dessus, nous lui préparions le nabid le matin et il le buvait le soir. Ou nous le préparions le soir et le buvait le matin. Hadith Sahih, rapporté dans Sahih Muslim. Également, Ibn Abbas dit à ce propos, on préparait le nabid pour le messager d'Allah en début de nuit et le lendemain, il le buvait le jour ou le soir pour le lendemain matin. Hadith également rapporté par Muslim. Mais ce nabid-là, au-dessus de trois jours, il va commencer à devenir enivrant. Donc là, il n'est plus autorisé. Donc le nabid, il a été autorisé par les Hanafites
Madhab Hanafi et quelques savants anciens. Mais suite à la fermentation, il va devenir, après 3 jours, enivrant. Donc là, il y a une divergence. Certains l'interdisent catégoriquement, d'autres ils vont l'autoriser. Mais l'interdiction, elle est plus forte. C'est l'avis dominant. Donc là, on ne se retourne pas vers l'avis minoritaire. Troisième type d'acte blâmable, troisième forme, lorsque la divergence, elle est très forte concernant cet acte blâmable. Exemple. Ce n'est pas forcément un acte blâmable, mais là, je vous parle de l'exemple de la divergence qui est forte entre les savants. Le fait de réciter surat al-Fatiha derrière l'imam. Ça, c'est une divergence qui est très, très forte entre les savants. Le fait de prélever l'aumône des bijoux de la femme qui sont utilisés. Est-ce que la femme qui porte des bagues, des chaînes, des colliers, etc., est-ce que, pas de l'or qu'elle thésaurise, mais de l'or qu'elle porte, est-ce qu'elle doit en sortir la zakat ou pas? Ça, c'est un avis, une question que nous détaillerons bien sûr dans le Minhaj Shalikin lorsque nous allons parler de la zakat. Un avis qui est très, où la divergence, elle est très forte entre les savants. Donc là, tu ne peux pas réprimander l'acte en lui-même si la personne, elle ne sort pas la zakat. Tu ne peux pas lui dire que c'est un acte qui est blâmable. Car la divergence entre les savants, elle est très forte. Comme le fait de jeûner le samedi. Vous savez, ça, nous en avons parlé pendant le ramadan quand nous avons fait le jeûne, les questions sur le jeûne. Question où il y a une divergence très forte entre les savants. Beaucoup disent que c'est permis de jeûner le samedi seul. D'autres savants disent qu'il n'est pas permis. Donc, la personne qui va jeûner, tu ne peux pas venir la réprimander. Et la personne qui mange ce jour-là, tu ne peux pas non plus la réprimander. Par exemple, si ça tombe un jour de Arafat ou un jour de Ashura, etc. Donc, voilà quelques exemples de réprimation où tu ne peux pas forcément le faire. Autre cas, et ça, c'est une règle qui se rapproche d'une expression qui est connue, pas de réprobation dans les questions relevant de l'ijtihad. L'ijtihad, nous l'avons déjà vu lorsque nous avons fait l'introduction de Minhaj Shalikin, c'est l'effort de recherche juridique, d'interprétation et de déduction qui est fourni par un juriste versé dans les sciences religieuses. Donc l'ijtihad, c'est donné aux très grands savants et pas à n'importe qui, ni aux gens de la masse. Donc là, lorsque le savant a fait un effort d'interprétation, et là, un acte blâmable qui va découler de cet acte d'interprétation, tu ne peux pas venir blâmer. Parce que ça découle d'un effort d'interprétation. Et ici, l'ijtihad, il va consister à statuer sur un fait où il n'y a pas de texte. Donc là, il va faire un effort d'interprétation. Et si c'est un acte concernant qui est blâmable, où il y a un effort d'interprétation, tu ne peux pas venir le réprimer. Sauf, bien sûr, c'est cet ijtihad du savant contredit un texte ou un hadith qui est clair, comme cela est établi dans les fondements du fiqh. Pour ne pas faire trop long, donc pour de nombreux savants de l'islam, la réprobation, c'est-à-dire réprimander le mal, reste obligatoire et il n'y a pas de règle qui vienne faire exception à cela. Allah subhanahu wa ta'ala, nous l'avons cité, il le dit dans le Coran, comme quoi nous sommes la meilleure des communautés et nous ordonnons le bien et nous interdisons le mal. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, la réprobation, donc la majorité des savants, et c'est l'avis de l'imam Ahmed, c'est l'avis le plus authentique, comme quoi l'ordonnance du bien et interdire le blâmable, cela est obligatoire. Mais pour d'autres savants, ils disent que la réprobation sera recommandée mais non obligatoire. Et d'ailleurs, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah semble se pencher vers cet avis-là. Parce qu'ils disent qu'il faut qu'il y ait un effet positif. C'est-à-dire, si en réprimandant le mal, il y a un effet positif derrière, l'imam Ahmed il dit alors c'est obligatoire. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit c'est plutôt recommandé. Il s'appuie sur quoi? Sur cette parole. Rappelle donc
où le rappel doit être utile. Verset 9 de la sourate 84. Cela signifie que le rappel devient obligatoire là où il est profitable. Alors, tu ordonnes le bien ou réprimandes le mal à condition qu'il y ait un profit derrière. D'ailleurs, je vous avais cité le hadith, le professeur Sam Kadi, le premier manquement des fils d'Israël apparut lorsqu'un homme rencontrait un manquement, rencontrait un autre et lui disait, « Oh, un tel, crains Allah et délaisse ce que tu fais, car cela n'est pas permis. » Mais le lendemain, il le rencontrait à nouveau et cela ne l'empêchait pas de manger avec lui ou de boire avec lui ou de s'asseoir avec lui. Quand les fils d'Israël en arrivèrent là, Allah monta les cœurs des uns contre les autres. Hadith rapporté par Tirmidhi, Abu Dawud ibn Majah, Tabari dans son tafsir. Donc voilà concernant le fait que les peuples qui étaient avant nous ont délaissé d'ordonner le bien et de réprimander le mal. Il y a une règle, lorsque le mal, le fait de le repousser et de gagner un bienfait sont au même niveau. Là, il y a la règle qui se concrétise, on dit que repousser le mal est prioritaire sur le fait d'acquérir un avantage. Ça, cette règle, elle s'applique quand les méfaits et les avantages sont sur un même pied d'égalité. Tu vois un mal et tu sais qu'en repoussant ce mal, c'est la même chose que gagner un profit en contrepartie. Donc là, repousser le mal est prioritaire à gagner le profit. Mais si les avantages sont nombreux par rapport au blâmable, alors on dit que gagner en avantage est prioritaire par rapport à repousser le mal. Donc là, il dit qu'il la change. S'il voit un mal, qu'il le change. Ça ne signifie pas qu'il l'ôte. Il n'a pas dit d'ôter ici dans le hadith. Il a dit changer. Changer et ôter sont deux actes différents. Avec sa main, s'il en est capable. S'il n'est pas capable, alors avec sa langue. Et s'il n'est pas capable avec sa langue, alors avec son cœur. Et ceci est le plus bas degré. S'il n'en est pas capable, donc avec le cœur, cette étape se réalise en concrétisant les mois suivants. Tu n'as pas la force de changer le blâmable avec ta langue, car tu es faible. Tu dois détester, tu dois le faire avec le cœur, tu dois détester le mal dans ton cœur. Et tu ne dois pas agréer sa manifestation. Tu dois t'éloigner du lieu où ce mal est constaté. Tu ne dois pas t'asseoir avec les gens qui commettent cet acte blâmable et dire « Non, non, mais dans mon cœur, je le change. » Non, tu ne peux pas t'asseoir avec cette personne-là, rigoler avec elle, manger avec elle, boire avec elle et dire « Non, non, au fond de moi, je déteste le... » Non, tu dois t'éloigner de ces gens-là et t'éloigner de cet acte blâmable. Qu'en est-il concernant le sultan? Le professeur Salem dit « Celui qui veut prodiguer un conseil au sultan ne doit pas le faire en public et doit le prendre par la main, s'isoler avec lui. Si le sultan accepte ce conseil, tant mieux. S'il refuse, le croyant aura accompli son devoir envers lui. » Hadith rapporté par Ahmed wa al-Bukhari wa al-Tabarani. C'est-à-dire, maintenant, on a parlé de l'ensemble des gens. Tu vois le blâmable au sein de la communauté. Mais là, si tu vois le blâmable, c'est le savant ou le gouverneur qui le commet. Comment s'y prendre? Et ça va être l'un des objets de notre conférence que nous allons faire dans les prochains jours concernant les Khawarij, qui, eux, ont ordonné le bien et fait le blâmable, mais selon leur mauvaise compréhension, et sont sortis, se sont rebellés contre le gouverneur lorsqu'ils ont vu un acte blâmable, et ils les ont combattus, soit avec l'épée, en tuant les musulmans et les gouverneurs, soit avec la langue, dans leur prêche et dans leur discours. Nous, non. Les gens de la sunna se doivent de conseiller le gouverneur en privé. Et qui est-ce qui va conseiller le gouverneur? Ce sont les savants, les gens dotés de science. Et ce n'est pas n'importe qui parmi le commun des mortels.
Ensuite, donc la rébellion contre le gouverneur, si vous voyez un mal, cela est interdit. De sortir contre lui, se rebeller, le critiquer dans les prêches, le critiquer pendant les cours, etc. Ça, c'est l'acte des Khawarij, ceux qui sont sortis de l'islam, une secte égarée, qui est la première secte apparue dans l'islam. D'ailleurs, un exemple. Marwan ibn al-Hakam, qui était un gouverneur de Médine avant de devenir calife en l'an 64 de l'Hégire, le jour du Eid, il a commencé par le prêche, le prône, avant la prière, le jour de la fête. Alors que normalement, c'est l'inverse. Un homme il s'est levé en disant le prône, la prière avant le prône. Marwan, donc il a répondu à cet homme-là, qui était le gouverneur de Médine, ce n'est plus le cas. Abu Saïd al-Khoudri dit alors, quant à cet homme, il a rempli son devoir. Il a vu un acte qui est blâmable, donc il a fait son devoir en disant, ce n'est pas la sunna. Classe. Si le gouverneur accepte le conseil, tant mieux. S'il n'accepte pas, tu as fait ton devoir. Donc, s'il n'en est pas capable, c'est le plus bas degré, c'est de le faire avec le cœur. Et c'est le plus bas degré par rapport à réprimander le mal et ordonner le bien. Plus bas degré, il se fait avec le cœur. Et ici, Abu Saïd a réprouvé en public car le sultan avait accompli un acte blâmable en public. Mais il faut être sûr que celui qui le fait en public, ça n'avait pas engendré un effet néfaste. Comme par exemple, que le gouvernement décide de te mettre en prison, de te frapper ou de te tuer ou autre, ou un trouble qui est encore beaucoup plus grand que cet acte blâmable. Donc là, nous différencions bien le conseil au gouverneur qui est fait par les savants en privé et la recommandation du bien et l'ordonnance du mal, par exemple, s'il y a un acte qui est blâmable qui est fait par le gouverneur et non comme le fait les Khawarij. L'imam Ahmed dit à ce propos, et je finirai avec ça, Inch'Allah, précise que ce n'est plus obligatoire de réprimander le mal lorsqu'on craint un tort, mais seulement c'est recommandé. Sauf si le croyant peut supporter cette épreuve. Tu vas aller concerner le conseiller, le gouverneur en privé, mais toi tu sais que s'il va conseiller, il peut te tuer, te jeter en prison. Alors là, dans ce cas, l'imam Ahmed il dit il est recommandé et non obligatoire de réprimander l'acte qui est blâmable. Et donc, il n'est pas permis, si tu vois l'acte blâmable, de se rébeller contre le gouverneur, de le critiquer en public ou autre. Voilà concernant l'explication de ce hadith. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et d'ailleurs, juste une petite anecdote à ce propos, c'est que parfois tu peux voir le blâmable, mais tu sais qu'en le repoussant, en le changeant, cela peut engendrer un mal encore plus grand. Comme ce fut le cas avec Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah lorsque les Tatars avaient envahi les contrées musulmanes. Et les Tatars commettaient de nombreuses exactions à l'encontre des musulmans. Et une fois, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah était avec ses élèves, il passait devant les Tatars, cette histoire elle est connue, et voyait les Tatars en train de boire de l'alcool et de se saouler. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah n'a rien fait, il a continué sa route. Ses élèves étaient surpris, même les gens de l'avance, ils disaient « Oh Cheikh, comment ça se fait que tu n'as pas réprimandé le mal ici, cet acte qui est blâmable ?» Il leur a dit, les Tatars pendant qu'ils sont ivres, et ils ne vont pas violer les femmes, et ils ne vont pas tuer les innocents. Là, en te taisant sur cet acte qui est blâmable, car tu sais qu'en le changeant, ça peut engendrer un mal encore plus. Alors là, vaut mieux se taire sur cet acte blâmable-là, si tu sais que ça va engendrer derrière quelque chose de pire. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Donc le cours est fini. Rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah.